Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Adrien Raza. Salut. On est à Fuerteventura en Espagne, sur une île. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les îles Canaries. On est sur un spot de malade qu'on a repéré depuis tout en haut de la falaise là-bas. You want some nuts? Excusez. Le mec il sort des cacahuètes de ses crocs. C'est quoi ce bordel? Il est content en plus. Bref, Adrien est content parce qu'apparemment c'est le spot de skim parfait pour nous. Donc c'est cool, on va pouvoir filmer 2-3 trucs. On a trouvé un juste là. Regarde-moi cette petite tête. Yeah. Ça va vraiment être un spot parfait, je pense. Par contre, il y a énormément de vent, je pense que vous l'entendez. Et il pleut un petit peu. On va avoir des conditions qui sont pas faciles. Ah, tout smouchi, smouchi. On a trouvé le spot. Regardez ce spot. On dirait un labyrinthe de plantes. J'essaierai de faire un whip flat. J'ai pas réussi la dernière fois le whip flat avec Adrien. Il est temps de liker cette vidéo. Abonnez-vous et c'est parti pour une session de ouf. That wasn't good. No? No, that didn't sound good. Oh, the board just flipped because of the wind. Yeah. That was the shortest skimboard session I've ever had. Je me suis ouvert le pied, donc du coup je suis obligé de mettre des chaussures maintenant. Ça va un peu m'handicaper parce que ça fait ventouse en fait. Quand je cours, les chaussures elles restent coincées dans le sable. J'adore le feeling de l'eau salée sur des plaies ouvertes, c'est génial. Mais on va quand même essayer de faire avec. What? J'ai pas compris là. Il vient de gaper ça en skim. C'est quoi ce bordel? Non, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du machin. Il vient de me dire que maintenant il veut essayer de glisser sur le buisson. Il est presque jusqu'au bout. You know what, I'm gonna count that. J'ai pris la board pro modèle de Adrien Raza, comme ça on lui fait une petite promo au passage. Il va m'apprendre à popper en skimboard parce que lui il arrive à popper des trucs monstrueux et je comprends pas comment c'est physiquement possible. Alors pour faire le ollie, imagine ça c'est la planche de skim, t'as tes pieds tout derrière. J'ai failli prendre la caméra. Tu sais, avec tes toes, ouais, tes orteils. Tes orteils, tu le pousses en bas. Bah, en fait un peu comme un skate, tu penches en bas en sautant en même temps. Et après avec ton pied avant, tourne un peu ta cheville, ouais. Et t'appuies un peu en avant. Ok, c'est pas comme en skate où en fait on tire le non, pied quoi. Non, un peu moins, c'est juste il faut mettre ton pied avant un peu plus en avant quand ça saute. Ouais. Un peu comme ça, ouais, un peu comme un karate kick. J'ai pas eu prendre le pied. Ok. Ouais. Ok. Bah ça, on essaye une fois et puis on regarde si ça fonctionne. Ouais, vas-y. Ça c'est le piège avec le skim, c'est dès qu'on loupe le lancement de la planche, c'est fini, c'est trop dangereux. Yeah. Je crois que le premier truc que je dois faire en skimboard, c'est m'acheter des lunettes. Les lunettes. Yeah. Oh, je suis tellement content. Mon premier ollie en skim. Oh, c'est trop beau, je suis trop content. Yeah. Yeah. How was your coup? Est content, c'est Vivi. Oui. Oui. Ouais. On a fini avec le skim, donc maintenant on va passer à la skim trot. Faire quelques petits bangers en skim trot, c'est parti. Je crevais, j'en peux plus.
qui a besoin d'un bateau, franchement, quand on s'appelle Adrien Raza? On va juste traverser tout l'océan en skimboard, c'est n'importe quoi. Ah, enfin. Oui. Yeah. Il y a des petites plantes comme vous pouvez voir juste là. Je pense que mon objectif aujourd'hui en skim trot, ça va être d'essayer de sauter par-dessus. Ouais, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Je connais rien en sable. Faut que j'aille assez vite parce qu'il y a un petit banc de sable derrière, mais ça devrait le faire. Allez, c'est parti! Oh non, j'ai loupé! Yeah! Eh, le petit 180 à la fin! Chouette! C'est chouette! Ouh. Oh, 720! Let me see your back! Lève! Ce guidon ne sert à rien! Je tourne comme ça, ça tourne pas! C'est quoi cette merde? C'est que tu vas tellement vite, ah j'arrive pas à suivre. Use those legs. Oh, les petites legs. J'ai glissé, j'ai même pas réussi à faire un pas. J'ai une grosse merde. I like how you do the bar spin at the end. Je suis hyper content parce que c'est un trick que j'avais pas réussi à mettre avec Adrien la dernière fois en Allemagne. Et là j'ai réussi first try en flan, je suis trop trop cool. Maintenant je vais faire une chaîne de skim et je vais essayer de sauter à chaque fois sur un nouveau skim. Allez, c'est parti. Ça, ça sera la dernière. Les deux autres là, on va les mettre. Je vais la mettre bien. Là, là. Ça m'a piqué mon idée. Ah! Ha 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 ha! Fail! Ouais, ouais! Tu es content avec le content? Je vais juste vous montrer quand même le caméraman qui vient de dire ça. C'est lui, c'est Tice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à celle d'Adrien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace. Oui. Oh wait, I'm driving. We'll be right back.